Ok, voilà notre PDG préféré. On va le faire transpirer du cul un peu. Vas-y, vas-y, fais-le tomber. Super tranquille. Eh ben, est-ce que ça va? T'as tout enregistré? Marcus, c'est le truc le plus beau que j'ai jamais vu. Je diffuse direct. Bah, tu me connais. Voir un enfoiré pareil se ramasser comme une merde de facochère sur un tapis roulant. Oh, y a de quoi ramener la paix dans le monde. Tu veux la paix dans le monde, toi? Bah, ouais, je sais pas. Mais c'est quoi ce truc? Maintenant, je veux jouer à la version finale direct. Point barre. Le système nous a trahis. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au niveau fédéral. À cause des restrictions de budget dans l'éducation, c'est... J'abandonne. J'abandonne et puis c'est tout. Qu'est-ce qui va pas? J'étudie à l'école des technologies avancées d'Auckland. On participe au défi Icard de Noodle et on perd tout le temps. On est incapable de battre les écoles prestigieuses. Stanford surtout. Ils sont financés par des grosses boîtes avec toutes sortes de technologies. On est juste Auckland, quoi. Et c'est foutu. Hey, mais Auckland, c'est quelque chose, putain. Tu peux y arriver, mec. Moi, je viens d'Auckland. Ah, c'est bien, t'es enthousiaste. Tu veux piloter pour nous? Quoi, t'es sérieux? Faut bien que quelqu'un s'y colle. Ah bah c'est parti, moi c'est Marcus. Enchanté Marcus, moi c'est Taylor. Bonne chance pour la première course.
Oh, putain! Tu vois ce que je voulais dire? On est incapable de les battre, ces mecs. Tu sais, si vous aviez une batterie potable, ça aiderait beaucoup pour les départs. Ouais, c'est logique. Je vais voir si je peux en trouver une. Ok, celui qui m'a envoyé ça, il va me le payer. Fais gaffe à ta gueule. Yo, Taylor, voilà la batterie. Ah, juste à temps. On va l'installer pendant que tu te prépares. C'est parti. Putain! Ça a l'air violent. Bien essayé, Marcus. Faut croire qu'on manque d'expertise en manière de mécanique. On se fera écraser au championnat. En fait, si on pouvait booster le processeur, ça améliorerait les performances. Je vais voir si je peux trouver une puce accélératrice. Waouh! C'est bizarre! Pas facile, la vie. Ok, très bien.
Je croyais qu'on était à l'abri de ce genre de choses. Tout se joue dans cette dernière course, Marcus. Je vais tout donner. C'est maintenant ou jamais. T'as une chance de faire tomber les gros une bonne fois pour toutes. C'est parti. Pour les opprimer, mon ami. T'as vu ? Auckland représente ! C'est l'Ecta, ma gueule ! C'était un plaisir de faire équipe avec toi, mec. Allez, à plus, Taylor. Sérieux? Mais je suis censé faire quoi, moi? Ma prime d'assurance augmente sans raison. Et tous les mois, c'est pareil, t'as entendu? Tous les mois! Tous les mois et sans raison? J'ai appelé ProviBlue, mais ils ont noyé le poisson. Ils parlent d'une clause de risque. Une clause de merde, ouais! Et la même chose arrive à plein de gens que je connais. Saloperie d'assurance! Salut, ça va? Le système. Y'en a un de vous qui est assuré par ProviBlue? Non. Moi, j'ai piraté le système de sécu pour être couvert à 100%. C'est quoi une assurance? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ProviBlue? Apparemment, ils rackettent leurs assurés avec une clause de risque. Ça me semble être une bonne raison pour aller fouiller dans les serveurs de ProviBlue. Ça ira plus vite si j'ai le bon mot de passe. J'essaie de te trouver un de leurs employés dans le coin. Et voilà, un gars de l'informatique. Il l'aura forcément. C'est sérieux? Sérieux?
continuer comme ça combien de temps? Putain. Un jour, on prenait le petit déj et ils se sont mis à s'exciter. Apparemment, il y avait eu un tremblement de terre pendant la nuit et ça les a réveillés. J'étais là, sérieux les gars, je suis à séisme blanc. Une petite secousse de rien du tout et c'est pas un tremblement de terre. Confirmé, Jim. Vous avez fouillé dans la vie privée des employés. Oh, allez. C'est pas vraiment privé. Nous faisons confiance à nos informaticiens. Enfin, vous vous êtes procuré le numéro personnel de Tina et vous l'avez appelé. C'est inacceptable. Je voulais juste flirter un peu. S'il vous plaît, Bob, laissez-moi. Désolé, Jim. La décision est prise. Votre carte d'accès, vos identifiants Provide Blue et votre abonnement à la salle de sport ont été révoqués. Le département des ressources humaines vous enverra vos effets personnels. Sitara, tu nous portes la poisse. Quoi? Le type de Provide Blue, il s'est fait virer aujourd'hui. Son mot de passe est plus bon. Oups, désolé. Sitara, la pro des infos périmées. Allez, je compte sur toi, ma belle. J'ai besoin des bonnes infos, là. J'ai dit que j'étais désolée. Attends, c'est pas vrai. Ok, j'ai trouvé un autre employé de Provide Blue. T'es sûr? Oui, je suis sûre. T'es vraiment, vraiment sûre? Oh, ça va, ta gueule. Hé, trouve le mot de passe, toi. Ok, j'ai le mot de passe. T'as mis Provide Blue sur ma carte? Ouais, je l'ai fait. T'es sûr? Tu t'es pas trompé. Ils ont peut-être changé d'adresse. Tu vas me lâcher, Marcus. Il est pas prêt de te lâcher avec ça. Thank you.
J'ai hâte. C'est la classe internationale, le gars. Ouais, t'as raison. Quand on est mort bourré, on est vraiment le roi du monde. C'est bon, t'y as accès? J'ai lancé l'analyse des données. T'es sûr que c'est bon? C'est bien les dernières données? C'était drôle la première fois, Marcus. Là, c'est lourd. Oh, waouh! En fait, ils surveillent tous les achats de leurs clients. T'achètes du fast-food, de la bière ou des chips, et boum, ta prime augmente. C'est ça leur clause de risque? Le seul vrai risque, c'est de se faire arnaquer. Faudrait modifier un peu leur algorithme. J'ai déjà commencé. Maintenant, chaque fois qu'un client fait un achat comme ça, sa prime diminue. J'ai bien envie de me faire le PDG et le directeur financier. Ils utilisent un service de location de limousine. Tu peux suivre leur véhicule, j'ai marqué l'endroit sur ta carte. J'installe le malware. J'ai les données GPS du directeur financier et du PDG. Le directeur financier. Ça donne quoi? Pas mal de données bancaires, déjà. Nickel. Commence par sa prime d'assurance à lui. Chaque fois qu'il prendra un cocktail dans son bar de Bourges, elle augmentera d'un coup. C'est fait. Allez, on passe au PDG, maintenant. Ah, c'est quoi?
Qu'est-ce qu'on a sur ce type ? Son mot de passe chez Rencontre Discrète. Surtout qu'il est marié. Ah bah, ça va sûrement l'intéresser, la dame. On ajoute son email à elle sur son compte à lui ? Ouais, comme ça elle recevra un email de confirmation pour chacune de ses rencontres. Ah, c'est moche. Les gars, mon téléphone vient de se faire infecter. Non, c'est pas possible. Surtout que c'est Josh qui l'a sécurisé. Désolé de te contredire, mais là on dirait que c'est le virus zombie 2. T'es au courant de qui l'a conçu le premier virus zombie ? Haddock. Ouais. C'est qui ça, Haddock ? Une véritable légende. Ce type divulguait des contrats gouvernementaux avec des sociétés de sécurité privées quand on était encore à l'école. Ça fait 10 ans qu'Haddock n'a plus fait parler de lui. Mais s'il est de retour, c'est la méga classe. Et il fait quoi le virus ? On dirait qu'il est entré avec une fausse mise à jour de CityOS mobile. J'arrive à voir certains téléphones qui ont été infectés avant le mien. Je pourrais peut-être identifier la source si je remonte cette piste. Je me demande bien ce qu'il recherche, Haddock. Tu peux isoler le virus sur une machine virtuelle ? Ça me ferait bien plaisir, oui. Vas-y, balance. Allô ?
Allez, on va s'amuser à faire flipper les banquiers. Non mais Carole, comment est-ce que tu veux qu'ils sachent que ça vient d'une pâtisserie? Je suis une excellente cuisinière, tout le monde le sait. Bienvenue Carole. Dans le nouveau distributeur CityOS de Blue. Ouais, désolée, je suis à la banque. Je vérifie. Hey, coucou la machine. Carole, il s'est déboîté le pouce. Non, mais je dis juste qu'il n'est pas bien surveillé, c'est tout. Bonjour Madame Kwon. En quoi puis-je vous être utile? Et si c'était toi qui faisais les gâteaux pour la kermesse de l'école? Mais non, Carole, pas toi. Mais ils sont tous comme ça, Carole. Ils en ont sur les mains, dans les cheveux. Qu'est-ce que tu crois? Et alors? Elle pense qu'elle veut, cette conne. Félicitations, Madame Kwon. Le versement de $200 sur votre compte est confirmé. Hein? Sérieux? Mais j'ai pas fait de versement. Carole, le distributeur vient de m'offrir $200. Mais non, je me plains pas. Cool. Félicitations, vous êtes la 1000e utilisatrice de notre service. Nous vous offrons $1000. Quoi? Je le crois pas. Carole, le distributeur vient de me donner $1000. Que je quoi? Ah non, pas question. C'est pour moi, Carole. Non, c'est pour moi, Carole. Laisse tomber. Bon, faut que j'y aille. Je sens que je vais avoir besoin d'une babysitter pour ce soir.
merde. Les gars, quelqu'un balance l'identité des membres de DedSec. Quoi? Mais où ça? J'ai trouvé un module installé sur un téléphone public. Il s'est mis à sonner et il y avait un message enregistré. Il y avait quelques noms du genre Stanley L quelque chose, Slickstreak, Nabil Azari. Ah, vas-y. Ouais, je connais Slick. Putain, c'est sérieux comme menace. Faut qu'on stoppe ça et vite. Quelqu'un a une idée? On devrait peut-être récupérer le module. Non, on le laisse pour le moment. Je peux mettre en place une attaque de type homme du milieu pour identifier l'interlocuteur. Mais plus on pourra en faire, mieux ce sera. Ouais, je vais voir si je trouve pas d'autres téléphones publics piratés. Les gars, DedSec a déjà eu affaire à Farmington? Farmington? Non, pourquoi? Aucune idée. Mais on dirait qu'ils virent systématiquement les employés qui s'intéressent à nous, même de loin. C'est forcément illégal. Je vais aller faire un tour dans une de leurs pharmacies, voir si je peux accéder à leur système, essayer de trouver ce qu'ils veulent cacher. Eh, pendant que tu y es, j'ai quelques ordonnances à renouveler. C'est au nom de Josh, hein, bien sûr. Tu me piques des médocs. Non, bien sûr que non. Bon, oublie ce que j'ai dit. Bonjour. À la clinique, s'il vous plaît. Vite. Tu là? Tu es dans le taxi? Je suis en route, Matt. On va avoir un bébé. Ah, félicitations! Je vous y emmène aussi vite que je peux. C'est un garçon ou une fille? Une fille. On a tellement hâte de la voir. C'est quoi ton problème? Ouais. Donc, on a tellement hâte de la voir. C'est super excitant. Alice a dit que les contractions se rapprochent. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien ou pas? Je t'invite de regarder la vidéo. J'ai pas pu la regarder. Et le nom, vous l'avez choisi? Jocelyn. Ça fait longtemps qu'on attend ça avec mon compagnon. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? En fait, on est mariés depuis 3 ans. Mais il a l'impression que ça fait une éternité. Enfin, dans le bon sens du terme. Félicitations pour votre premier enfant, alors. La vache! On y est. Oh, je suis nerveux. Et j'ai la gerbe. Thank you.
Josh, j'ai trouvé un autre téléphone infecté par zombies. Est-ce que CityOS mobile est installé dessus? Ouais, avec une mise à jour récente lui aussi. Bon, je suis frustré là. J'arrive pas à comprendre ce qu'il essaie de faire. Je continue sur cette piste. J'ai encore une victime de zombies. Bien joué. Je commence à comprendre le fonctionnement. Il essaie de se propager via des points d'accès infectés. Mais pourquoi ? Je sais pas encore. Par contre, c'est sûr que c'est du ad hoc. Ça ressemble vraiment au tout premier zombie, même si les systèmes sont complètement différents. Ah ouais ? Mais il cherche à faire quoi alors ? Bon, je continue. Ah, j'adore ça, pirater les distributeurs de billets. Pas toi ? Ah, comment c'est trop bien ! Chérie, je suis entrée. Bienvenue dans l'un des nouveaux distributeurs CityOS de Bloom. Un instant, je vérifie votre identité. Comment ça ? Tu me reconnais pas ? Tu regardes pas la télé ? Bonjour, monsieur Franklin. En quoi puis-je vous être utile ? Ça y est, t'as retrouvé tes esprits ? Allez, à boule la thune, poupée. Félicitations, monsieur Franklin. Un bonus de $200 a été ajouté à votre compte. Wow, et pourquoi ? Juste parce que je suis un beau gosse ? Ok. T'as raison, moi aussi je me donnerai de l'argent. Merci pour votre don généreux, monsieur Franklin. Un don ? Comment ça, un don ? Bon, et laisse tomber, mon agent s'occupera de ça. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Ok. Votre solde est de $0. Bonne journée. Comment ça, $0 ? Vérification. Votre solde est de $0. Mon solde est de $0 ? Vraiment très drôle. Non mais t'as une idée de qui je suis là ? Le hack de Kali pour les distributeurs, c'est un vrai succès. Elle a du potentiel cette fille. À mon avis, on peut ajouter sa création à l'arsenal de DedSec. Marcus, c'est quoi ce petit truc dans ta voix là ? Ça, c'est du respect. Il est amoureux. Ouais, ça l'intéresse pas. Apparemment, mon moi bourré lui aurait déjà demandé. Ah ouais, c'est vrai. Gros vent.
Hey Rétro, quoi de neuf? Je glande, tu vois. Et toi? Je pensais trouver mon cousin ici, mais il est pas venu. On a peut-être quelque chose pour Dead Sec. Ah ouais? Vas-y, je t'écoute. Il achète sa bœuf auprès des anti-choux depuis des années. Et du coup, il est devenu pote avec certains. Il les a entendus parler d'un deal avec les Bradva pour faire passer de la marchandise. Je suis pas sûr que ce soit le délire de Dead Sec, ça. Non, mais attends. D'après lui, c'est pas de la drogue cette fois-ci. C'est des êtres humains. Ah ouais, carrément. Bon, comment je fais pour en savoir plus? Je vais t'envoyer l'adresse de l'endroit où traînent les Anti-Shoe Boys. Quelqu'un pourra te renseigner là-bas. Salut! D'accord, ouais. Je viens d'entendre parler d'une sorte de rendez-vous d'affaires entre les Shoe et les Bradva. Pourquoi tu veux mettre en colère deux organisations criminelles en même temps? Parce que les justiciers, c'est la classe! L'opinion publique est assez partagée en ce qui les concerne. Non mais pour le public de Dead Sec, plus on embête les méchants et les criminels, plus on gagne de followers. C'est mathématique! Ça me paraît plutôt logique, ouais. Bon, je vais rendre visite aux Shoe et je vais voir ce que je peux trouver. Un de plus, ce serait pas du luxe. Ça devrait être bon, là. Tu reçois quelque chose, Josh? J'ai déjà infecté plusieurs téléphones publics. Ouais, je vois... quelque chose. Les appels sont détournés par un périphérique portable. Ça a l'air d'une opération à petite échelle. Non, mais on s'en fout de l'échelle. C'est exponentiel comme menace. Il faut y mettre un terme, et vite. Marcus, je viens de t'envoyer les coordonnées. Merci, je vais aller voir ça. Oh!
viens de trouver l'équipement responsable. Je voulais le mettre à chaise, mais j'aimerais bien aussi remonter le signal à la source, histoire de voir de qui ça vient. Plus ça reste actif longtemps, plus ça devient dangereux pour nous. Il y a quand même un truc qui me dérange. Pourquoi utiliser des téléphones publics plutôt que tout faire fuiter sur Internet? Ils jouent avec nos nerfs. Ils veulent en faire un truc énorme pour nous humilier. Donc ce sera un groupe rival? C'est ce que je pense aussi, ouais. Mais faut en être sûr, même si c'est risqué. Ouais, je suis d'accord.
c'est bien là. Il est temps de savoir qui cherche à nous foutre dans la merde. Ouais, et de les faire payer aussi. T'avais raison, c'est Primate. Ah, les bâtards. Le coup des téléphones, c'est un test. Ils veulent pirater une radio locale pour diffuser le nom de tout le monde. Enfin, c'est ce qu'ils voulaient faire. Oh, je t'en supplie, dis-moi comment tu vas te venger. J'ai effacé le nom des DedSec dans leur système. La liste était plutôt longue, même s'il y avait des approximations. Mais il y avait aussi des noms exacts. Alors j'ai fouillé le compte de ce mec et j'ai récupéré le nom de pas mal de Primate. Et tu vas t'arranger pour que la radio soit piratée comme prévu, c'est ça? Ouais, sauf que la playlist sera un peu différente. Je connais l'endroit, mais je vais devoir trouver un accès. But there's no way to slow down.